Assieds-toi. Ne vous occupez pas de moi, tout va bien. Oui, bien sûr, tu as l'air tellement heureuse et épanouie, Juana. Ça se voit que tout va bien. Mais non, ça doit être la grossesse. Tu crois vraiment qu'on va avaler ça? Tu nous connais mal. Allez, Juana, parle, on t'a fait quelque chose. C'est à cause du maire, j'en suis sûr. Bon, allez, ça va, Manolo, laisse-la respirer. Et laissez-nous seuls. Ce sont des problèmes de filles. Nous, au moins, on se comprend, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, et après on dira que les hommes s'en fichent de tout. Alors là, bienvenue au club. Juana, je serai toujours là si t'as besoin de moi. Au fait, ta moto est prête. Ce brave garçon que tu vois là a réparé tout ce qui n'allait pas. T'as de la chance, le moteur n'avait rien. Je te remercie, tonton, et toi aussi, Nicolas. Y a pas de quoi. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous faire peur, mais tout va tellement vite et je garde tellement d'émotions au fond de moi que... Je suis triste de quitter le lycée et contente d'avoir un travail qui me plaît. Oh, ma petite chérie, tu as beaucoup de chance, tu sais. Parce que même si d'un côté les portes se ferment, une fenêtre immense s'ouvre de l'autre. Je sais, je sais. Et ton patron dit beaucoup de bien de toi. Je l'ai entendu à la télévision. Ça se voit qu'il a beaucoup de respect pour toi. C'est vrai. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Allez, il faut te reposer maintenant, d'accord? Tu sais quelle heure il est? Tu veux pas aller te reposer? Oui. Allez, vas-y. Je vais éteindre les lumières. Allez. Passe-moi la barre de fer. 5 minutes avant la relève de la garde. 5 minutes à partir de maintenant. Reçu 5 sur 5, il était temps. La barre de fer. Mais pourquoi tu fais autant de bruit? Tu veux qu'on se fasse repérer? Non, non. Hein? Chut. Chut, par derrière. Par derrière. Bien que ce coup-là resterait gravé dans ma mémoire. Venez m'aider. Allez, aidez-moi. Mais Piranha, t'es devenu fou, quoi. Ne ferme pas tout de suite. Je te bute, toi aussi, ok? Il nous reste moins de 5 minutes avant que l'autre arrive. Alors on se tire. Mais pourquoi t'as fait ça, Piranha? T'étais pas obligé de le tuer, merde. Je l'ai pas tué, ok? Je l'ai pas tué. Ce soir, on est des hommes de l'ombre. Tu te rappelles? Alors tu vas quand même pas te dégonfler. Aide-moi maintenant, faut déguerpir. C'est pas vrai. Allez, vite. Passe-moi les sacs. Donne-moi le sac. Le sac. Faut se bouger. Faites attention. Aidez-moi à prendre tout ça. Fais vite, fais vite. Ce sac-là est plein. Mauricio en est à son 3e verre, alors qu'il n'a pas l'habitude de boire autant. Je suis sûr que c'est à cause de la dispute qu'il a eue avec le maire à la télé. Donc, il est venu prendre un verre pour déstresser avant de rentrer. Retrouver ma sœur. Il devrait être avec elle. Qui dit qu'il n'est pas plutôt venu draguer? Mauricio? Sérieux comme il est? Les plus sérieux sont souvent les pires, Paco. Laisse-moi voir si je lui fais de l'effet. Non, mais attends, tu vas le laisser te voir. Le risque ne me fait pas peur, tu le sais bien. Et si je le fais, c'est pour ma sœur et pour l'ombre. Peut-être qu'il est là parce que maintenant, il sait que le cartel opère d'ici.
bien le bonsoir, très cher. Bienvenue dans mon club privé. Ah, qu'est-ce qu'il est lourd ! Allez, allez ! Mais laisse-le, il est mort, viens nous aider ! Ouais, mais faut au moins le cacher ! Il faut y aller maintenant ! Non, pas avant qu'on ait embarqué toute la drogue ! Il reste qu'une minute avant la relève ! Mais on s'en fiche, magne-toi, Willy, viens nous aider ! Allez, faut tout prendre ! Range-les bien comme ça, on pourra en mettre plus ! Range-les mieux que ça ! Dépêchez-vous ! On a presque fini ! C'est bon, on a fini ! Il y en a plus par là, prends ça ! C'est bon ! Ça y est, il en reste presque plus ! Encore un sac et c'est bon. Il faut tout prendre. Faut qu'on s'en aille, Piranha. Ouais, elle a raison. Je veux qu'on embarque tout, tu comprends ou pas? Je crois que je t'entendais pas. Écoute, il faut nous croire, Salvador. Ces gars-là jouent avec nous depuis le début. David, les gens comme eux se tirent toujours d'affaire. Et maintenant, c'est nous qui portons le chapeau. S'ils font acte de charité, c'est pour nous endormir. Le principal et Gabriel en sont la preuve. Le principal n'est certainement pas une victime. Peut-être que non. Peut-être qu'ils ont menti. Mais ils l'ont livré pour détourner notre attention. Ils sont en train de nous manipuler. Cette affaire commence à nous glisser des mains. Ils ont livré le principal pour cacher quelque chose de gros. Pour ce qui est du principal, on va lui intenter un procès parce qu'il est impliqué dans le cartel, ça j'en suis certain. La difficulté, c'est Gabriel. Ça va changer plus vite qu'on ne le pense. Juana et Mauricio ont déjà démasqué le maire, tout par-delà. Exactement, ils ont fait tomber les masques. On tient Gabriel. Pour le moment. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse de Gabriel ou même du principal, il faut coincer ceux qui tirent les ficelles. Et on va les coincer, Salvador. Tu verras. C'est bon, on a tout. On s'en va. On y va, on y va. Allez, on y va. Et vous, ne bougez plus. On s'est fait prendre, Lily. Je suis sûr que Mauricio trouvera la raison pour laquelle Gabriel a été piégé. Plutôt mourir que vous laisser me mettre en prison. Ah! Ce sont des coups de feu. Mais ils sont proches, non? Oui. Viens. Des cagoules. Les hommes de l'ombre? Peut-être. Juana, ma chérie, allez, raconte-moi tout. Viens. Allez. Ça concerne Mauricio, n'est-ce pas? C'est à cause de Mauricio que tu pleurais? Maman, au fond de moi, je sais, c'est un homme marié. Mm-hmm. Je sais qu'il est plus âgé que moi, que je suis enceinte et que c'est impossible, mais ça, mon cœur ne le comprend pas. Oh, ma chérie, il s'est passé quelque chose. Réponds-moi, allez, qu'est-ce que tu as fait? On s'est embrassé, c'est tout. On s'est embrassé. Et je n'ai rien fait pour éviter ça. Enfin, oui, je sais plus, c'est ça le problème, maman. Quand je suis avec Mauricio, je ne réfléchis plus. Oh, ma petite chérie, et lui? Il s'excuse, il me demande pardon, il sait bien que c'est mal. Je devrais faire en sorte que ça n'arrive pas, je ne comprends pas, maman. Tu es amoureuse, c'est aussi simple que ça. Maman, pourquoi? Pourquoi suis-je tombée amoureuse de Mauricio? Il faut que je l'oublie. Maman, aide-moi, je t'en supplie.
tuya, este es el sentimiento, esta es la virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre. Y ma pauvre chérie, c'est le cœur qui commande tout, et nous, on est obligés de lui obéir. Il faut que je trouve une solution. Il faut absolument que je l'oublie. Mais à chaque fois que je me dis que c'est fini, je repense à ces baisers. Oh là là, c'est pas possible. Maman, je n'ai jamais ressenti ça avant. Quand je sortais avec Willy, ça n'avait rien à voir. Avec Mauricio, je perds la tête. Dès que je le vois, j'ai envie de partir vivre avec lui. Ma chérie, Mauricio est un homme marié. Oui, maman, je sais. Il est marié, je me répète ça tous les jours, mais c'est plus fort que moi. Je rêve qu'on s'embrasse. On s'embrasse en forêt, en ville, à la plage. En fait, j'ai envie de partir à sa rencontre tout de suite pour l'embrasser, tu vois. Dans ce cas, je vais fermer toutes les portes à clé pour t'empêcher de sortir. Et tu auras raison. Il faut que je sois dans une prison de sécurité maximale. C'est insupportable de devoir attendre d'arriver au bureau. Non, c'est pas vrai. Mon cœur. Eh bien, très cher, vous buvez vite. À croire que vous aimez quand ça va vite. Demandez donc à ma femme. Ah, mais vous êtes mariés. Cherchez-vous à noyer votre peine ici pour éviter que votre femme s'en rende compte? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'essaie de noyer quoi que ce soit? Ce bar m'appartient. Alors je sais reconnaître un homme qui boit parce qu'il est triste ou bien dépité. Vous n'avez quand même pas trompé votre épouse? Pourquoi faites-vous semblant de ne pas me connaître? Je crois que... vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je ne vous ai jamais vu avant aujourd'hui. Ah, ça, j'en doute vraiment. Depuis que je m'intéresse aux affaires du maire, je suis dans tous les journaux et sur toutes les chaînes de télé. Vous m'avez démasqué, Mauricio Vega. Alors, puisque vous me connaissez, je doute que ce soit une bonne chose que je confie à vous. Du moins, politiquement parlant, bien entendu. Ah non, si vous me confessez vos péchés, vous pourriez perdre la mairie. Ce qui veut dire que vous avez des péchés à cacher. Mais ne vous en faites pas, très cher. Les propriétaires de bars sont comme des curés. Vous pouvez me confier tous vos péchés, et personne n'en saura rien. Ça m'a l'air très intéressant. Mais une autre fois, parce que... la soirée vient de se terminer, merci beaucoup. Non, je vous en prie, je vous invite. C'est un honneur de vous avoir ici, monsieur le candidat. Et n'oubliez pas qu'ici, vous serez toujours chez vous. Merci. Excusez-moi.
Woody, vas-y. Vas-y. Cours. Allez, vas-y. Je ne comprends pas ce qu'on fait ici. Je veux savoir si Rogelio va bien. On s'est mis d'accord, tous les deux. Il est comme un époux pour moi, et c'est ton père. Alors, tous les deux, on va faire ce qu'il faut, parce que c'est lui qui nous fera monter en grade. Monter en grade? Monter en grade? Jusqu'où tu veux aller, au juste? Il y a beaucoup de choses que je veux diriger. Avec toi, Alfredo. C'est aussi ce que tu veux. Mon amour, je me suis inquiétée pour toi. Mauricio, tu as bu de l'alcool? C'est rien, juste deux ou trois verres, pas plus. C'est juste que j'étais un peu stressé, alors je suis allé au bar, à celui qui est juste à côté du bureau. Pardonne-moi, je sais que j'aurais dû rentrer plus tôt. Je suis bien conscient que tu ne te sentais pas bien et que tu n'étais pas au centre. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je me suis sentie beaucoup mieux quand j'étais vue à la télé en vrai héros. Quand ils ont découvert la drogue qu'ils voulaient garder dans l'école. C'est super ce que la police racontait avec toi et... avec Juana, bien sûr. Et David aussi était là. Je les ai félicités tous les deux, publiquement. C'est vrai. Mais juste après, tu allais affronter le maire. Ça aussi, je l'ai vu à la télé, tu y allais seule avec Juana. Mon cœur, cette fille, t'es très fidèle. Ça vaut de l'or. Carlotta, je suis très fatiguée. Oui. Il faut que je dorme. Oui. Ta journée a été très dure. C'est pourquoi ton épouse t'a préparé un bon bain pour te détendre. Ta vie ne devrait pas être si intense. Je parle du travail, bien sûr. Viens avec moi. Je vais te montrer ce que ton épouse t'a préparé. Merci, chérie. Il n'y a aucune raison de me remercier parce que je suis ton épouse. Faut partir tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la drogue? Allez, vite! Quoi? On a presque tout pris. Willy, dépêche-toi! Allez, vite, on n'a plus le temps! Non, Lily, non! On peut pas faire ça. Kiké, attrape le sac! Allez! Conduis, Charlie, ils m'ont touché. Conduis. Démarre. Allez, allez, allez. Ma chérie, écoute-moi. Pense au moins à son épouse qui a voulu que tu t'occupes du bébé. Juana, tu te rends compte? Oui, maman, c'est pour ça que je me sens mal. Tu sais, je comprends que tu sois folle de lui. C'est un très bel homme, il est élégant, il a un bon travail. Un vrai prince charmant des temps modernes. Le problème est que ce prince a déjà quelqu'un qui l'attend au château. Quand tu sortais avec Alfonso, je trouvais ça inconcevable parce qu'il était marié. Mais ça n'a rien à voir. C'est Mauricio qui aurait dû mettre des barrières entre vous pour éviter que tu te fasses des illusions. Non, il a essayé, mais c'est de ma faute aussi. Ça, c'est faux, Juana. Mauricio est adulte. Il est censé réfléchir avant d'agir et non de t'attirer des ennuis. Parce que... si on regarde les choses en face, il a une liaison avec une adolescente. Non, ne dis pas ça, maman, je suis amoureuse. Dans ce cas, Juana, j'irai discuter avec lui pour mettre les choses au clair. Non, mais qu'est-ce qui te prend, maman? Si tu fais ça, je ne te dirai plus jamais rien. Et en fait, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne plus être ta petite fille parfaite et de ne pas savoir pourquoi tout ça m'arrive à moi. Juana, s'il te plaît. C'est pas vrai. Très jolie. La moto, c'est une très jolie moto. Elle est à vendre? Non, pas du tout même. Oh non.
On ne peut pas faire ça. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à s'embrasser ? Mais tout ça me fait peur. Je ne veux pas m'emporter. La température du bain est pile comme tu l'aimes. Je t'ai servi un verre de ton whisky préféré et j'ai mis une petite musique douce. Carlotta, je ne mérite pas que tu me gâtes. Tu sais... Mon cœur, écoute, rien ne t'oblige à me raconter. Tu aimes tellement aider les autres que ça t'attire des ennuis. Tu es très têtu. Tu aimes me contredire, mais... Qu'importe. Parce que je t'aime, tel que tu es. J'espère seulement que... personne n'essaiera de profiter de toi. Et de qui parles-tu ? De tout le monde. Mauricio, maintenant que tu entres en politique, tu ne peux plus en donner autant aux autres. Sinon, ils t'en demanderont plus et plus, encore plus, toujours plus. Enfin bon, maintenant, je vais nous préparer un délicieux dîner. Pendant que tu te relaxes, prends tout ton temps. Je t'attends. Voyons voir ce qu'il y a ici. Allez, vas-y, ma belle, conte-moi ça. Ça en fait de la drogue. Cette fois-ci, on a réussi, Piranha. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Avec Piranha, on gagne tous. On est les rois du monde. Maintenant, tu peux dire que t'es le roi de Santa Clara. Le mec le plus recherché par les flics aussi. Ferme ta bouche, imbécile. Tu commences à me fatiguer avec tes commentaires. Piranha, t'as tué un flic. Un agent de sécurité, c'est pas pareil. Bien sûr que c'est pareil. Ferme. Personne ne peut rien contre Piranha, ok? Ni la police, ni l'ombre, personne! Regarde ça, c'est quoi ça? C'est une blessure parce que je suis immortel, t'entends? Calme-toi, Willy, personne ne s'en est aperçu! Mais qu'est-ce que ça change que la police nous ait vus ou pas? Ils vont enquêter, et l'ombre aussi, et à la fin, ils sauront tous que c'était nous, tu verras! Ferme-la ou je te mets une balle dans la tête! On est tous impliqués, alors je ne veux pas t'entendre pleurer, Willy! Mon amour, est-ce que tu es courageux? On est riches maintenant, on est riches! Je veux savoir tout de suite qui sont ces malfrats. Qui a vu la plaque d'immatriculation? Ils ont tout pris? Oui, ils ont tué un agent de sécurité. Qu'est-ce que vous attendez? Où sont les autres? Je veux savoir qui est derrière tout ça. Organisez des points de contrôle partout, aux quatre coins de la ville. Et vous arrêtez n'importe qui, n'importe qui. Personne ne dormira dans ce commissariat avant qu'on ne sache qui est derrière tout ça et qu'on ait mis la main sur ces malfaiteurs. Tu crois que l'ombre se risquerait à voler sa propre drogue après tout ce qui s'est passé? Non mais tu trouves pas ça bizarre? Écoute, David, si ce n'est pas eux, qui est-ce que ça peut être d'autre? Tu as l'air d'aller beaucoup mieux. N'est-ce pas, Alfredo? Je ne sais pas. Je n'inspecte pas autant que toi. Je suis heureuse que tu ailles mieux. Quand est-ce que tu vas enfin pouvoir sortir? Demain, les médecins me feront passer des tests pour m'y autoriser. Ça, c'est rassurant. Bon, alors, il faut fêter ça. Bien sûr. Je ne suis pas d'humeur à faire la fête. J'ai vu Mauricio affronter le maire à la télévision. Cette histoire va nous attirer beaucoup de problèmes. Mauricio t'en a parlé? Non. Je n'étais pas au bureau de l'après-midi. Disons que toute la journée, je n'ai fait que perdre mon temps. Que se passe-t-il, Alfredo? Aurais-tu quelque chose à me dire? Ah,
Comptez tout, oubliez rien. J'aimerais m'endormir en me disant que demain matin, je pourrais acheter la ville tout entière. Qu'est-ce qui se passe dehors? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens dehors! Ouvre la porte! Piranha, qu'est-ce qui se passe? Venez m'aider à tenir la porte! C'est la police! Kéké, viens m'aider! Kéké, aide-moi! Juana, qu'est-ce que tu fais là? Tu as l'air d'une folle. Quoi? Tu espères vraiment le voir par la fenêtre? Juana, je sais que j'ai promis qu'on resterait de simples amis, mais... Non, Mauricio, non, arrête, s'il te plaît. Rentre chez toi, embrasse ta femme, occupe-toi de ta famille. Cette famille que tu as toujours voulu avoir. Ce qu'on a vécu, c'était comme... un rêve qui touche à sa fin. Oui, c'était un rêve. Et j'aimerais le faire tous les soirs, Juana. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor, luchar si vale la pena. No siento ningún temor, el camino del destino nos une para siempre. Parle, Alfredo. Parce que même si Lucia dit que j'ai été un mauvais père, je vous connais très bien. Qu'est-ce que tu caches? Disons plutôt que ce n'est pas moi qui cache quelque chose. De quoi vas-tu m'accuser? Rogelio, je t'en prie. Alfredo n'a aucune accusation à te faire. Mais tu ne vois pas le ton qu'il emploie? Il est fatigué. C'est ça. Oui, papa, je suis très fatigué. Non, à vrai dire, on a fait le tour de la ville toute l'après-midi pour boucler une enquête. Une enquête sur quoi? Toute la marchandise est là? Oui, oui, t'es là. Attrape! On prend tout, vite fait, bien fait. Tout s'est bien passé? Oui, très bien.
y a eu un petit imprévu, mais bon, ça a été. De toute façon, nous, on veut juste récupérer notre marchandise. Encore une chose, c'est bon. T'étais pas obligé de me mettre une baffe, merde. Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas à mon père sur quoi on enquêtait toute l'après-midi? Il paraît qu'il y a une grande confiance entre nous. C'est au sujet de Mauricio. De toute façon, tout nous ramène à Mauricio. Mais cette fois-ci, c'est assez personnel. Je suis très inquiète pour Carlotta. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que Mauricio la trompe. Avec Juana, la photographe. Quand quelqu'un vole ce qui lui appartient, ce n'est plus du vol. Ça veut dire qu'on n'a rien volé. Disons plutôt qu'on a récupéré l'objet tant convoité. Tout était prêt à Santa Catalina. C'est parfait. Maintenant, j'espère que Willy remplira sa part du contrat. Vous y croyez? Très cher Paco, l'être humain est imprévisible. Mais si Willy ne tue pas Piranha, je m'arrangerai pour que Piranha tue Willy. Et comment est-ce qu'on appellerait ça? Ah oui, c'est de la justice poétique. Siento tu voz, siento tu luz paseando cerca de mí. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena. Mauricio est la photographe. Tu es sûr de ce que tu dis, Désiré? Eh bien, je n'ai pas de preuves. Voilà pourquoi je ne t'en avais pas parlé. Mais la relation que Mauricio entretient avec cette fille n'a rien d'une simple relation entre patron et employé. Ça expliquerait beaucoup de choses. Je ne sais pas. Cette fille me semble encore très jeune. Mais bon, je suppose qu'un homme se sent puissant quand il a à ses côtés une fille bien plus jeune que lui. Elle l'admire. Et la jeune fille profite autant qu'elle peut. Certaines situations ne sont pas comparables. Ah oui. Mauricio la trouvait fragile, donc il a voulu l'aider. Alors elle accepte parce qu'elle veut être soutenue. Je crois plutôt que c'est une question d'argent. Il y a de ça aussi. Tout ce qui m'importe, c'est que Carlotta ne souffre pas. Rogelio, il faut surveiller Juana Pérez de très près. Cette fille pourrait finir par attirer des ennuis à tout le monde. Qu'est-ce que... Levez-vous, allez. Debout, Piranha. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Il s'est passé... La drogue? La drogue? La drogue? On nous l'a volé. On nous l'a piqué. C'est pas possible. Mais comment? Et qui? On va le savoir tout de suite. Lève-toi, espèce de traînée. Non mais qu'est-ce qui se passe là? C'est justement ce que vous allez m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Allez, parle. Laisse-le tranquille, Piranha. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On est tous dans le même pétrin, mon cœur. Ne m'appelle pas mon cœur. Mettez-lui une muselière à celle-là. J'en ai marre d'entendre ses hurlements. Et toi, explique-moi tout de suite ce qui s'est passé ici. Mais je t'ai déjà dit que je me suis évanoui en même temps que vous. Je me suis évanoui parce que tu n'as pas retenu la porte avec nous. Tu es parti te cacher. Parce que je voulais protéger Lily. Hein? Parce que maintenant, tu protèges ma meuf. Tu veux jouer au super-héros? T'as oublié que t'es un lâche? Attends que je te rafraîchisse la mémoire.
Amenez-la et mettez-lui les mains ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui, moi? Rien du tout. C'est toi qui vas t'en occuper. Tu vas tout avouer. Sauf si tu préfères que notre chère Lily finisse manchotte. Alors on lui coupe la main ou tu m'expliques pourquoi vous êtes parti vous cacher? Pourquoi vous avez détalé, hein? Vous saviez ce qui se tramait? Parlez! Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Heureusement qu'ils vont éliminer Piranha. Ils nous enlèveront une belle épine du pied. Et on n'aura pas à craindre d'actes de vengeance de leur part, à cause de la drogue. On verra bien. Vous allez l'épargner? Je n'en sais rien. Madame, Piranha est le genre de clown qui ne fait rire personne. Et il peut très bien nous attirer des ennuis. Alors faites attention. Il faut abattre le loup, on le fera. Mais avant, je veux l'appâter. Et le pacte que vous avez fait avec Willy? Il tient toujours. Willy sait que si ça se complique avec Piranha, c'est lui qui devra l'éliminer. Mais en attendant, je veux voir ce qu'il va faire de l'offre qu'on lui a faite. Les affaires sont les affaires. Excusez-moi, mais... il n'y a pas pire idée que de faire affaire avec les morts. Non, c'est une très bonne idée. Parce qu'on n'a pas de compte à lui rendre. Tu n'es pas d'accord? Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Reste avec moi. On ne peut pas faire ça. J'ai besoin de toi. Inutile de me chercher. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Juana. Mauricio. Qu'est-ce qu'il y a? Juana. Qu'est-ce qui se passe? Mauricio, qu'est-ce qui se passe? Mauricio? Carlotta. Mon chéri, mais tu m'as fait peur. Tu dormais tellement profondément que j'ai mis du temps à te réveiller. Où sont les bougies? Et la musique? J'ai tout éteint. Visiblement, ça t'a plu puisque tu t'es bien détendu et peut-être même trop, je dirais. D'ailleurs, tu rêvais. Pourquoi? J'ai parlé? Non. Non, c'est juste que tu t'es réveillé en sursaut, mais j'espère que ce n'était pas un cauchemar. Enfin bon, tu sors quand tu veux, je vais te chercher des habits confortables, d'accord? Mes adieux à Mauricio, l'homme. Que seul l'ami subsiste. Adieu, Juana. Mes adieux à Juana, la femme. Et que ses adieux soient les derniers. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena. No siento ningún temor. Dès la première fois que je l'ai vue à la fête, cette fille m'a déplu. Je ne t'en avais pas parlé pour éviter que tu t'inquiètes. Du coup, je me sens mal et coupable. Oui, mais c'est fait. C'est ça le problème quand on commence à parler. On ne peut plus reculer. Si je t'ai dit tout ça, c'est parce que je tiens beaucoup à Carlotta, et tu le sais. Et ça me ferait beaucoup de peine si Mauricio se fichait d'elle. Mais il faut que tu te reposes. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tu peux compter sur moi. Oui, je sais. Et je t'en remercie.
Il se fait tard. On doit partir maintenant. Écoute-moi. Lâche-moi. Je ne supporte plus de voir ce genre de scène. Alors dès qu'il sortira de cet hôpital, tu lui diras qu'on est ensemble. Je croyais que tu avais compris. Ce n'est pas le moment, Alfredo. Tout pourrait se retourner contre nous. En plus de ça, Rogelio est ton père. Exactement. Et il est marié, et pourtant il couche avec l'associé de son gendre qui est aussi la meilleure amie de sa fille. Oui. Ah, tu veux qu'il soit au courant de tout? Oui. Oui, c'est ce que je veux. Bon, eh bien c'est parfait. Vas-y. Entre et raconte-lui tout ça toi-même. Vas-y, fais-le. Pourquoi tu fais ça? Comment ça? Comment ça, pourquoi je fais ça? À t'entendre, on croirait que je suis une mauvaise épouse qui ne s'occupe pas de toi. Je sais, Carlotta, mais j'ai été absent toute la journée. Il y a quelque temps, tu te serais énervée. Je n'ai pas de quoi être énervée, Mauricio, parce que je te fais confiance. Je t'attends en bas, avec une autre surprise délicieuse.